Revenons maintenant à l'objectif du pitch. L'objectif du pitch, c'est de stimuler l'intérêt. D'accord ? Donc vous rentrez dans votre salle, vous êtes en position où vous voulez intéresser les gens, donc il faut y aller dans une démarche vraiment, vraiment proactive. N'y allez pas en traînant les pieds, vous vous préparez mentalement. C'est une position de combat où vous allez essayer, c'est pas que vous allez essayer, vous allez vendre votre idée et faire en sorte que les gens adhèrent à votre idée. D'accord ? Et quand vous pitchez, vous avez 4 ou 5 ou 6 équipes qui sont à côté de vous. Donc c'est préparer, être très clair, être convaincant, il faut stimuler l'intérêt. D'accord ? Ne vous perdez pas dans les détails. D'accord ? Vous pouvez effectivement alimenter par des éléments personnels pour appuyer plus ou moins un élément ou l'autre, mais ce qu'on veut, c'est les grandes lignes, être sûr que vous êtes clair sur les grandes lignes, que vous êtes organisé pour pouvoir remplir l'objectif que vous êtes assigné. Ne commencez pas à rentrer dans les détails. Et même si pendant le pitch de 15 minutes, on commence à vous poser des questions, parce qu'il y a toujours des gens qui sont... Et poser des questions, c'est bien, ça veut dire que les gens écoutent et sont intéressés. Mais ne commencez pas à casser le rythme et à rentrer dans le détail en répondant aux questions. Vous pouvez très bien répondre rapidement et derrière dire « Nous avons une session de 10 minutes de questions-réponses, on viendra plus en détail sur ce problème. » Mais vraiment, il faut garder le rythme. C'est à vous de donner ce rythme, de garder ce rythme et d'avoir les gens qui vous écoutent et qui sont impressionnés par ce que vous allez raconter. D'accord ? Donc c'est... Vraiment, les gens, vous regardez, il faut qu'ils vous écoutent. S'ils ne vous écoutent pas, reprenez quelque chose, essayez de reprendre le contact. C'est vous qui devez être en pleine possession, comme le pilote dans l'avion, en pleine possession de vos moyens pour pouvoir contrôler en fait cette audience. D'accord ? Et le but, c'est de générer assez d'intérêt pour que les gens aient envie de vous revoir et vous notifient qu'ils ont envie de vous revoir à la fin de votre prestation. Donc, généralement, un pitch, c'est 10 planches. D'accord ? Il faut se concentrer sur l'essentiel, d'accord ? Et il ne faut pas perdre son audience. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient accrochés, ne vous perdez pas, allez à l'essentiel, dites je suis ça, je veux faire ça, c'est comme ça que je vais le faire, et voilà les raisons pour lesquelles je vais le faire et que ça va être un succès. D'accord ? Et plus vous mettez des slides, plus vous mettez des slides en fait dans votre présentation, plus vous allez vous perdre. Et plus vous prenez le risque en fait de ne plus être suivi dans votre démonstration.